So Eurogas has a pretty strong vision for what we need to be doing to deliver the objectives of the energy transition, which are to fully decarbonize the economy by 2050. Eurogas supports that. We see that amongst our members. The right direction to go is to deliver a carbon neutral economy in 2050. I think it's really important that we look at all of the different decarbonisation technologies we have, but in particular in the gas sector, we have to make sure that we're bringing in the right volumes of what we call green gas, which basically means biomethane and biogas, as well as potentially green hydrogen and also blue hydrogen in the future. And those three or four, if you like, different gases will be very important in making sure we're able to live up to our decarbonisation promise. So at the moment, we can say there's quite a lot of biogas that's being delivered into the system across Europe, up to 5 or 6%, depending on which organization you look at, but that needs to grow. And a really good example of growth is in France, where they have a target of 10% of gas to come from renewable sources by 2030. And every year, the biomethane plant number's doubling. So it's good to support carbon neutrality, but you need to have the policy framework that will deliver it. Pour atteindre les objectifs climatiques européens, la Belgique doit puiser encore plus d'énergie aux sources renouvelables. Dans le secteur du gaz, on explore différentes formes de ce que l'on appelle le gaz vert. L'organisme coordinateur gaz.be a recherché, en collaboration avec Valbiom, quel serait le potentiel de l'injection de biométhane dans le réseau de distribution existant de gaz naturel. In het Nationaal Energie- en Klimaatplan staat dat er ongeveer 19 terawattuur aan hernieuwbare energieën moet bijkomen in de tijdsperiode tot 2030. Door het ontwikkelen van de biomethaansector en het biomethaanpotentieel in België kunnen we 80% van die nodige evolutie opvangen. Naar CO2-emissies vertegenwoordigt dat uiteraard een enorme reductie. Zo komen we met die ontwikkeling van die 15 terawattuur tegemoet aan een CO2-reductie van ongeveer 6 miljoen ton. Pour le moment, il n'y a qu'un endroit en Belgique où le biométhane est produit et injecté dans le réseau de distribution. L'intercommunal IOCA de Merxplas y collabore avec l'entreprise énergétique EBEM et le gestionnaire de réseau Fluvius. Die installatie is intussen al een jaar actief en die draait vol continu. We hebben vooral know-how opgedaan met betrekking tot de technische installatie. Hoe moet die eruit zien? Hoe kunnen we die exploiteren? En ook hoe dat we de gaskwaliteit kunnen monitoren om een goed kwalitatief biomethaan te hebben. Binnen Fluvius zijn we er klaar voor om nieuwe projecten op ons net toe te laten. We kregen zeer veel aanvragen rondom rond, maar het probleem is meestal de financiering nog. Pour 2020, quelques nouveaux projets sont déjà sur les rails. Ainsi, en Wallonie, l'installation de biométhane du bois d'Arnel est opérationnelle. Alors c'est le projet avec Jérôme Breton, BBA, qui est un projet d'injection de biométhane dans le réseau de RES de 500 normomètres cubes. C'est une première expérience pour nous, et pour lui aussi d'ailleurs. Et on est là pour faciliter le projet et pour permettre son injection dans notre réseau. Donc en Wallonie, on a beaucoup de terres et beaucoup de terrains agricoles, donc on a là un potentiel de création de biogaz. On a la volonté politique, vu qu'on a maintenant un cadre législatif qui le permet, et on a des investisseurs qui sont dans cette aventure-là. On a un réseau de distribution qui est prêt à les accueillir, donc oui, je pense que c'est le bon moment. Pour que le biométhane fasse une vraie percée comme énergie renouvelable, gaz.be plaide pour un plan stratégique national que l'on peut fonder sur l'étude du potentiel du biométhane. Een volgende stap is natuurlijk om daar nu heel concreet mee aan de slag te gaan en dat om te zetten naar waar kunnen die installaties het best geplaatst worden. De dimensionering van die installaties kan dan gebeuren en natuurlijk ook de wettelijke omkadering, eventueel met een ondersteuningsmechanisme om de biomethaansector werkelijk te dynamiseren.